Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, je suis ravie de filmer cette vidéo. En tout cas, c'est une story time qu'on l'a vu sur le titre. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire au Congo Brazzaville. Hey, prenez un petit jus d'orange, asseyez-vous là, de l'eau, le thé. En tout cas, mettez-vous bien et suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que des dingueries, des choses qui sont passées là. Donc voilà, j'ai décidé aussi de faire des story time parce que c'est pas ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, donc je me suis dit pourquoi pas vous expliquer. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, à vous abonner juste en bas et surtout à partager cette vidéo. Et à par où commencer, les gars? Moi je suis née le 13 avril pour ceux qui ne savent pas, donc j'avais pris mes billets de sorte que le 13 avril me trouve à Brazzaville par la grâce de Dieu, et c'est ce que Dieu a permis. Je suis arrivée à Brazzaville le 11 avril. Et mon anniversaire, c'était le 13 avril. D'accord? Donc, j'étais bien, j'étais contente, j'ai retrouvé la famille. Franchement, c'était trop bien. Au début, j'avais dit à ma mère qu'on va louer une salle, qu'on va inviter mes amis, on va préparer, on va tout faire, on va décorer. Franchement, je voulais même acheter une très belle robe, je me rappelle encore, genre découper le gâteau. Franchement, faire l'anniversaire de mes rêves, en fait. Première chose, ma mère me dit non, ça sera pas possible parce que ça fait 7 ans que tu n'es pas revenu au pays. On peut pas organiser un grand truc comme ça. Ça va attirer le regard des gens. On connaît pas les cœurs des gens. Nanani, nanana. Franchement, elle a refusé. Et donc comme il faut obéir aux parents, j'ai obéi à ma mère et je me suis dit aussi, elle a raison, ça fait 7 ans que je ne suis pas repartie au pays, je ne vais pas commencer directement à faire des grandes fêtes, louer les salles, découper des gâteaux, faire des trucs de fou malade, inviter tous mes amis d'enfance. Ça ne sera pas bien et voilà, donc il n'y a pas eu de salle, il n'y a pas eu l'anniversaire que je voulais avant. Il n'y a pas de souci, mais quand même, je ne peux pas aussi rester à la maison, il faudrait qu'on aille au resto. Donc j'ai dit à mes parents, à papa et maman et mes petites soeurs, j'ai demandé à mes petites soeurs d'inviter leurs amis et tout ça, à mon petit frère aussi d'inviter ses amis. Et j'ai dit à papa et maman, on ira au restaurant. D'accord, oh, tout le monde était content, l'anniversaire de Yarolia, c'était chaud à la maison. On s'est dit non, on ira au resto. Avant d'aller au resto, il faut faire quoi? Il faut se faire belle. Genre se faire tresser ou bien mettre la perruque, se maquiller, nanani, nanana. Hey! Et c'est là que le drame commence. C'est là que le drame commence, les gars. Donc ma mère m'a dit, je connais une coiffeuse dans le quartier, elle fait bien, nanani, nanana, et tout ça, t'inquiète pas et tout. Ok, il n'y a pas de souci, il y a fort. Donc j'avais ma perruque que j'avais achetée ici, une perruque orange, noire, c'était vraiment trop bien, la perruque des stars. Je voulais vraiment qu'on me pose ça bien et que je puisse prendre des bêtes des photos en fait. Yeah! C'était mal connaître la dame là. Asseyez-vous bien, je vous explique. Au salon de coiffure, on va trouver que la dame, elle est en train de faire. Je vois ce qu'elle fait. Je trouve que c'est pas mal en fait. Ça me met des gens en confiance. Je dis, ouais, elle va d'être ça et tout ça. Il n'y a pas de souci. Ma mère aussi est en train de... Vous connaissez les mamans. Vous connaissez les mamans. Ah, c'est trop bien ce qu'elle fait, la dame là. Tout le monde me conseille cette dame. À talakou de la dame là. À talakou que la dame faisait là-bas. À talakou, ça veut dire les éloges. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est mon côté ivoirien qui parle. On disait vraiment le bien de cette dame-là devant elle. Même pas devant elle, sûrement depuis la maison, vu qu'elle m'a conseillé d'aller chez elle. Franchement, maman croyait à son travail. Donc moi aussi, ça m'a mis en confiance. J'ai acheté même le jus. J'étais là, je buvais et tout ça. Franchement, j'étais trop bien. Je me disais, elle va être ça et tout. Et arriva mon tour. Je vais m'asseoir, je me pose trop bien. J'étais en confiance, je vous ai dit, j'ai même acheté le jeu et tout ça. Je me pose bien et tout. Elle a demandé à une fille qui travaillait avec elle. Elle apprend encore. Elle a dit, tu peux faire les nattes collées à Rolia, enfin à la cliente et tout. Elle dit, il n'y a pas de souci et tout ça. La fille a bien d'aide ses nattes collées. C'était trop bien. Maintenant, arriva le moment de poser la perruque. J'ai failli mourir de colère. Les gars. Je vois la dame installer les trucs. Franchement, elle installait tout ce qui est colle, tout ce qui est nanani, nanana. Franchement, c'était bien. Ça me mettait en confiance la façon dont elle travaillait. Elle a pris ma tête, elle a pris la perruque. Je vois, elle commence à mettre la colle là. Là. Là, 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 sur le front. Pas ici, là. À côté des sourcils, là, 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 là. Je vois, ah. Je parle pas parce que je me dis, ah, maman a dit qu'elle fait bien. Tu vas nous trouver ici, elle faisait un peu bien. La façon dont elle classe ces trucs aussi prouve qu'elle peut faire bien. Moi, quoi dedans?
Qui suis-je pour dire à la dame que ce que tu fais là n'est pas bien? Qui suis-je pour dire à la dame que, ah, ce que tu es en train de faire là, je sens que ça peut toucher mes sourcils. Ça peut m'arracher ça là. Attends, je vais me taire. Peut-être qu'elle sait comment elle fait. Peut-être que sa colle là se balade. Elle va mettre ça ici et un peu, ça va remonter. Attends, je vais me taire. Ma mère était là, en train de dire toujours, ma fille, c'est ton anniversaire. Elle revient des États-Unis. Ça fait 7 ans qu'elle n'est pas venue. On est trop contents et tout ça. Faites vite, on doit... Pendant que ma mère parle, elle continue de faire ses trucs. Elle aussi, elle parle. Moi, là, mon cœur commence à... Tu vois, quand on te fait un truc et que tu n'aimes pas, la sensation, là, ça montait déjà. Je ne pouvais pas parler. Donc, je vois... Elle met la colle, elle dépose la perruque, bouillard. Je dis, ah, là c'est chaud. La façon dont elle a déposé la perruque là, là c'est chaud en fait. La colle là ne va plus se balader, ça va rester comme ça parce qu'elle a collé la perruque. Je vois, elle prend le truc là, bandeau là. Bah, je dis, Seigneur, c'est quoi ça là? Mais qu'est-ce que c'est? Seigneur. Les gars, elle a déposé le bandeau, elle a fait ses trucs. Franchement, elle croyait qu'elle faisait un vrai truc. Et moi, déjà, ça commençait à m'énerver. Je regardais ma mère comme ça et tout. Je disais, aïe, là, ça va chauffer. Ma mère a su que j'étais énervée. Elle aussi, elle parlait plus. Elle m'a mis sous le casque. Vous voyez le truc chauffant là. Où, quand, je ne sais même pas pourquoi elle m'a mis là-bas. Je ne connaissais même pas l'utilité. Hey Seigneur. En plus, t'es chère façon, je viens avec le prix. Elle m'a mis sous ce casque-là. J'étais là tranquille et tout ça. Près de 30 minutes, 35 minutes. Je dis, ah, mais c'est quelle colle? Déjà, la colle qui est sur mes sourcils là. C'est quelle colle? Ça prend 1 heure pour fixer ou bien... Enfin, je sais pas, on doit partir là. Et ma mère, on dit, non, attends, bientôt et tout ça. Elle aussi, elle dit, non, t'inquiète pas, l'américaine. Comment ça, me sucer là-bas? T'inquiète pas, l'américaine. Déjà, moi, je savais que cette perruque, j'irais pas avec à mon anniversaire. J'irais pas avec au resto, en fait. Donc, je voulais juste qu'on rentre à la maison et que j'enlève ça, que je puisse mettre moi-même ma perruque. Elle a fini. Moi, je suis une personne, je me maquille presque jamais. Pour ceux qui me connaissent, même sur YouTube ici, je ne me maquille pas. Elle, elle dit, non, c'est ton anniversaire, faudrait quand même qu'on te maquille. J'ai déjà une perruque sur mes sourcils. J'abuse quand même, c'était là, en fait, presque. Ça touchait presque mes sourcils. Donc, ça fait que j'avais plus de front. Tu veux maquiller quoi? Mon nez? Mes joues? Enfin, qu'est-ce que tu veux maquiller, en fait? Je ne comprends pas. Ma mère aussi, oui, attends, elle va te mettre un peu de fond de teint. Je dis, maman, je ne me maquille pas. En plus, j'ai mes produits de qualité que j'avais achetés avant que je vienne. J'ai mon fond de teint à la maison, j'ai ma poudre, j'ai mon gloss. Laisse-moi rentrer à la maison, je vais faire mes bails toute seule. Comme il faut obéir aux parents, moi, je suis une personne à 1000%, je vais obéir à mes parents. Surtout quand je sais, par exemple, le maquillage là-bas, je sais que je vais juste aller enlever ça seulement. Donc, même si c'est pas bien, je veux pas frustrer ma mère, je veux pas paraître impoli. Je dis, ok, maman, il n'y a pas de souci. J'ai dit, par contre, je disais à la dame, par contre, ne touche pas à mes sourcils. Hey! Par contre, ne touche pas. Oh, t'inquiète pas, je ne vais pas toucher. Elle a commencé à mettre le fond de teint. Je sens, elle ouvre la lame gilette en fait. Pour ceux qui connaissent à Brazza, tu vois les lames gilettes là. Elle ouvre une lame. Je la regarde. Je ne veux pas me répéter parce que j'avais dit à la dame que ne touche pas à mes sourcils. Donc, elle a pris la lame. Elle a commencé à toucher mes sourcils. Je dis ne touchez. Oh non, je ne vais pas toucher. Je vais juste gratter là, là, là. Gratter pour que ça sorte un peu propre. Je dis ne touchez pas à mes sourcils. Je ne touche jamais à mes sourcils. Ne Ah là, j'étais vraiment énervée. Elle m'a mis le fond de teint. Elle va mettre des fonds de teint, faire des contourings, faire des trucs, des bails chelous que j'ai jamais fait sur mon visage. J'ai dit, oh Seigneur, madame, peut-être que ce que vous faites, c'est bien. Mais moi, je veux pas, je me maquille pas et tout. Ma mère, non, c'est trop joli, tu es trop belle. Nanani, nanana, j'ai dit, vous avez fini.
Oh, on a fini. Ok, c'est combien? J'ai demandé à la dame, c'est combien? J'étais déjà énervée, ça se voyait sur mon visage. Sur une personne, quand je suis énervée, tu vois sur mon visage. Quand je suis en joie sur mon visage. Quand je pleure sur mon visage. Tout se lit sur mon visage. Quand là-bas savait que j'étais énervée en fait. Donc j'ai dit à la dame, ça fait combien, les gars? La dame me dit pour la perruque, c'est 9 000. Donc presque 10 000 pour quelque chose qui arrive au sourcil. Pour quelque chose qui fait que j'ai plus de front en fait. C'est pas grave. Je vais juste rentrer chez moi, enlever tout ce bazar là. Prendre. Mais non, le maquillage c'est combien? Oh non, le maquillage c'est 2 500. Nanani nanana. Ok, prenez. Donc, ma mère aussi elle s'est fait maquiller. J'ai oublié de vous expliquer, mais ma mère aussi elle s'était fait maquiller ce jour-là. Et aussi, elle avait posé la perruque que j'avais avant qu'on me pose la perruque. Donc, on a payé près de 20 000 là-bas et tout. Dès que je suis rentrée, sur la route déjà, il y a des petits enfants et tout ça qui étaient là. J'étais vraiment énervée. Ma mère savait que j'étais énervée. Et quand je suis énervée, je ne parle pas. Donc, on sortait du salon de coiffure, on rentrait à la maison à pied. Et il y a des enfants qui s'amusaient là et tout. Non, t'es trop belle, Yaya. T'es trop chenou. On appelle Yaya les grandes soeurs. T'es trop belle, Yaya. Hé, ma mère a soulevé cette partie-là. Tu vois? La vérité sort de la bouche des enfants. Tu vois, non, tout le monde te dit que t'es belle, ma fille. Hein? Arrête de t'énerver. Je dis, hé, c'est bien. Je dis, oui, maman, je suis belle. Rentrons à la maison. Arrivé à la maison, je vois ma petite soeur. Je demande à ma petite soeur. Tu me trouves comme moi. Je dis, il y a un peu trop de fond de teint. Je demande à c'est quel genre de perruque ça? Je dis, ok, les gars. Ramenez-moi le miroir. Ce que j'ai fait ce jour-là, je me suis assise devant le miroir. J'ai pris la perruque qu'elle avait mis là, avec la colle qui a duré 35 minutes sous le casque pour sécher là. J'ai pris comme ça. J'ai enlevé tout ça, j'ai jeté. Parce que je ne peux pas aller fêter mon anniversaire que je n'ai pas fêté, je ne sais pas pendant combien d'années sans ma famille, avec une perruque qui touche mes sourcils, ça se fait pas. Je préfère me blesser avec la colle là qu'aller fêter l'anniversaire avec cette perruque là. Donc j'ai enlevé, ma mère était dessus. Donc on a dépensé tout cet argent pour rien. Nanani, nanana, je dis maman, je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment désolée, mais je peux pas. Si tu veux que je me sente à l'aise, je peux pas en fait. Elle a accepté que j'enlève, j'ai enlevé le maquillage, tout. Et pour vous dire, j'ai mis une perruque bandeau en fait, que je partais avec tous les jours au travail le jour de mon anniversaire. Pourquoi? Parce que la dame, elle m'avait déjà gâché ma journée. J'avais prévu une belle perruque et tout ça pour mon anniversaire. Elle a foutu n'importe quoi. Donc, j'ai mis une perruque avec bandeau là. Et suis allée avec au restaurant le jour de mon anniversaire. Mais le plus important, c'est que je me sentais bien dans ma peau et tout ça. Le maquillage qu'elle avait fait, j'avais enlevé. J'ai juste mis un peu de fond de teint et tout ça. Franchement, j'étais plus belle avec ce que j'avais fait moi-même qu'avec ce qu'elle avait fait. Donc, c'était comme ça. Après, on est allé au resto, on a mangé, on a rigolé, on a chanté. J'étais vraiment trop contente. Mais c'est souvent la coiffeuse là qui voulait tout foutre en l'air, en fait, le jour de mon anniversaire. Franchement, le Congo. La morale de l'histoire, les gars, faites très attention à qui vous donnez votre tête. Franchement, c'est très important. Ce jour-là, si j'avais pas une autre perruque, je sais pas comment j'allais faire et tout. Et voilà, donc c'est ça. Et les coiffeuses, quand on vous dit de pas toucher, ne touchez pas. Quand quelqu'un te dit je veux pas, la personne ne veut pas. Laisse, ne force pas. Parfois, on accepte juste parce qu'on est gêné en fait. Par exemple, là, j'étais avec ma mère, j'ai juste accepté pour faire plaisir à ma mère. Sinon, je voulais pas. Donc, on vous dit on veut pas, c'est qu'on veut pas. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de story time, mettez en commentaire. On veut plus de story time, Rolia. Et voilà. Je fais des gros bisous. On se retrouve dès prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!